Dans cette vidéo, nous allons faire l'épisode 1 d'un let's play sur Call of Duty Black Ops 3, donc on va refaire toute la campagne. C'est parti, on va la lancer tout de suite. Donc première mission, c'est... je ne sais pas du tout comment elle s'appelle, on va le voir tout de suite. Petit chargement futuriste. Donc si ce format de vidéo vous plaît, de faire des let's play sur des jeux comme ça, de refaire toutes les campagnes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like pour me le dire aussi. Sans marquer de commentaire, vous pouvez lâcher un petit like, ça ira beaucoup plus vite. Ou même vous abonner, comme ça vous ne louperez aucun notre épisode. Donc, c'est pas. Ah ok, c'est bon. Alors, là on va faire déployer. C'est quoi ça? Registre des missions. Ok, donc. Hop, mission suivante. C'est parti. Classe, on va prendre. On va garder la Kuda, je pense. Ouais, je pense. Je sais pas si on prend la Kuda ou la XR. On va prendre le kit agent de terrain, au pire, comme ça. C'est le kit de base. Au moins, on est sûr que ça va avec la mission. Donc là, je découvre Call of Duty Black Ops 3 en même temps que vous. Donc, apparemment, je sais pas, il y a peut-être, c'est un peu l'apocalypse, j'ai l'impression. Ok, bon, on va se baser sur ça. Donc c'est un peu un univers post-apocalyptique. Et donc apparemment, on va évoluer dans ce climat un peu abandonné. Je ne sais pas, on va voir. Et donc là, on a un écran de feu de destruction sur une sorte de camion, j'ai l'impression. Ok, bonjour. Oula. J'ai l'impression qu'on est dans une sorte de QG de... Comment ça s'appelle? Dans les aéroports, là. Les tours de... Et que là, les ennemis viennent de redébarquer. Donc là, on est mal. Ah, une petite bombe qui est arrivée sur nous. Enfin, une petite, ça a juste explosé le dôme du centre de communication. Ça c'est des ennemis. Oui, c'est des ennemis. Faut aller où là? Oh, faut bien aller là. C'est quoi ce gros vaisseau? C'est quoi ça? Ah mais c'est l'avion, je crois qu'il s'est crashé sur nous en fait. Il a l'air quand même balèze l'avion. Genre j'ai l'impression... Ouais c'est sa silhouette ça. Il est vraiment balèze. La salle de surveillance est de l'autre côté. Ah il est là. Dans les tunnels. Une fois sur place, on pourra trouver la position exacte du ministre. Ok, ok. D'accord. Reste cool jusqu'à ce qu'on ait la cible. Ok, ça marche. Bon, ben, on va faire ce qu'il a dit. Donc apparemment, donc ça c'est les ennemis. Et nous, on a leur équipement pareil qu'eux, du coup... Ah, c'est bon. Ok. Oula. Ok. Faut aller là-bas, au point. Donc là, tout le monde est en panique. C'est la cata. On a fait crasher un avion. Ah oui. Ah, il va le tuer. Ah. Désolé, monsieur. Enfin, madame. Je sais pas, monsieur, madame, je sais pas. Ok, du coup, maintenant, on va pouvoir passer par là, il me semble. De toute façon, on peut passer que par là, on va pas revenir là-bas. Voilà. C'est parti. Alors, doucement, capitaine. C'est bien gardé là, on peut voir qu'il y a des gens là. Eux ils ont des tourelles en haut. Il y a 20 000 sas pour rentrer. Et là il y a encore des gens. Plus des portes blindées on dirait là-bas.
Et ça a l'air d'être des grosses portes quand même. Ça doit être des portes bien. Taylor, on est au poste de sécurité. On va le sécuriser. Ok, donc là, derrière. Okay. Les alarmes de l'étage, branchez-vous et localisez les ministres. Commande des caméras utilisées. Ok, donc là on est en train de pirater le système de caméra. Taylor, le scan est en cours. En attente de reconnaissance spatiale. Okay, donc là, ah, c'est des otages, ok. Avec le ministre. C'est d'être nos potes, ça, en gros. Mes fils de pute. Ah oui, effectivement, ils sont pas très gentils. Ah oui, ils leur font boire de l'acide ou je sais pas ce qu'ils leur font boire, mais ça a pas l'air très très bon. Ok, donc nous on doit trouver le ministre. Canal 7, lol. Bon, hop, on va faire comme si j'avais rien dit. Oula. C'est pas ça. Ah. C'est lui, c'est le ministre. Ah, c'est lui. Donc ils sont en train de torturer le ministre sûrement pour obtenir des informations à propos de l'état adverse du coup, enfin de notre état du coup. On doit trouver où ils l'emmènent. Ah, ils torturent salement les gens, vraiment, et les tabassent, ils leur font boire des liquides toxiques je pense. Ils vont pas leur faire boire du Coca-Cola, j'imagine. Bingo. Identité confirmée. Ok. Maintenant on sécurise. Combien de temps? 2 minutes. 2 minutes. Je te chronomètre. Cet enfoiré a jamais eu d'humour. A l'air de parler par expérience. Crois-moi, c'est le cas. Ok, alors c'est parti. Infiltration, go go go. Ok. Oula, il y a beaucoup de monde là. On va balancer ça. Là, il y a des gens en haut, là, on va les neutraliser. Oui, c'est... Hop. Je sais pas où c'est trop où je l'ai envoyé. Derrière, là-bas. Ok. Si on va par là, ça fait quoi? Y'a rien. Forcé. Je passe devant, regarde comment ça se présente. Ok, donc ça a l'air d'être une sorte de mine thermique qui pour ouvrir les portes tout simplement. Ok, donc là on arrive dans la salle, derrière la salle d'interrogatoire, donc nous ils nous voient pas. Parce que pour ceux qui connaissent, donc c'est un miroir derrière, ils nous voient pas. Ah, je crois qu'on va. On passe un sale quart d'heure. On est venu vous évacuer. Ah, c'est quoi ça? Casquette militaire égyptienne. Désolé, pas le temps. On prend les petits objets. Ah, je crois qu'on a pris la casquette du coup de monsieur Khalil. Parce que on a pris une casquette militaire d'Égypte et il parlait que c'était un héros du Caire, donc techniquement c'est relié. Après, peut-être que je me trompe, dites-le moi en commentaire si vous le savez. Donc on va ouvrir cette porte où derrière il doit avoir Khalil d'après ce que j'ai compris. Ok. Ah, il a l'air pas bien, hein. Fatigué. Oh, c'est quoi ça? Ça doit être un appareil de torture. Très bien, on va prendre une arme dans ce casier là-bas et la reprogrammer avec vos infos biométriques. Je crois pas qu'on est très bien, la vue de l'alarme. On dirait qu'ils en ont après nous maintenant. On bouge. Taylor, cible plus 1 récupérée en approche. 1, vos ordres étaient pourtant d'évacuer le ministre. C'est le lieutenant Khalil. Laissez. Continuez d'avancer, on se retrouve là-haut. Le dépôt devant sera bien défendu. Ne lâchez rien surtout. Allez, ouvre, ouvre. On les aveugle. On les bombarde. Et c'est parti.
On neutralise ceux d'en haut. Ok. C'est quoi cette arme là? Moi je la veux. Il va mourir mais. On troll des bots, c'est drôle ça. Attends. C'est quoi ça? Ok. Tout dans le monde charge. C'est parti. Tout le monde là. Ok. Lâchez vos armes. Laissez-les maintenant. On est mort si on fait ça. Oui. Un truc. Croyez-moi. Ah oui. On est mort si on le fait pas. Et voilà. C'est ce que j'allais dire. Tu me voles les mots, Hendrix. Oh, il y a des alliés là. Je crois qu'on est sauvé, les petits potes. Un peu bugué vu je crois. Content de te voir. Moi aussi John. T'as l'air différent. Toujours décraché. Ça n'a pas collé. Désolé. Du sang neuf. Prends en soin comme t'as pris soin de moi, ok. C'est pas drôle mon gars. On est toujours prêt à évacuer? Les charges sont posées. Ok, c'est parti. On a 10 minutes. Et donc plus c'est un robot, c'est un cyborg, j'ai l'impression. D'accord, le mec est invisible. Je crois que le mec s'est transformé en fantôme, mais il passe à travers moi. Bon, mais d'accord, on va se recharger les munitions. Hop. Ils sont pas morts, hein. Ils sont juste assourdis. Abasourdis, je sais pas comment on dit. Ils sont solides quand même, tu leur mets des balles dans la tête comme ça, ils meurent pas. Là, je prends la grenade. Oh non, je les garde dans la main, je suis bête. Oh, je suis bête. Oh là là, mais je suis vraiment bête. Moi. Je garde une grenade dégoupillée dans la main. Ne faites pas ça chez vous. Oh là là. Erreur de débutant. Wow, je vais me faire écraser. Boum, boum, voilà. On est massacre. Hein. Coup de poil. Hop, coup de coude. Coup de poil, je me suis cru sur PUBG. Il reste pas d'ennemis là. Pourquoi il recule encore? Faut aller là. PC Gamer. Franchement, je sais pas où c'est du fun. Là peut-être. Il faut aller où? Je comprends pas. C'est qu'il faut que j'aille. Ok, ça a bugué. Ok, ça avait bugué, très bien. Alors.
Tête. Faire exploser le véhicule carrément. Très plus vite. J'ai pas fait exploser le véhicule en fait. Si je fais ça, est-ce que je touche quelqu'un? Mais t'es pas mort là. Des renforts arrivent par le pont. C'est quoi le plan? Merde. Plan B. On fait sauter le pont et on va en prendre exfiltration secondaire. Mais je vois pas en fait. Taylor, mais là on va plus les voir en fait. On va au point secondaire. Bien reçu. Rejoignez la position. Ok. Désolé hein, si je commande pas trop, mais ils me tirent tous dessus là. C'est drôle qu'il ne réveille pas en fait. Utilisez votre avantage. Je crois que c'est bon. Oui, il reste toi. Ok. C'est bon? Personne là. Mais pourquoi il bug les missions comme ça, genre? Mais il reste personne là. Je crois que je vais devoir me suicider. Franchement, dites-moi dans les commentaires si vous savez pourquoi ça bug comme ça. Peut-être parce que des fois faut pas que ça se déroule comme ça, que je tire parce que je vois les ennemis là. Et que du coup le programme, je sais pas, il doit pas marcher comme ça. Du coup, ça fait bugger, je ne sais pas du tout. Moi, ils se sont tirés dessus entre eux. Ok, donc là ça a marché, j'ai l'impression. Et maintenant la DAV nous a repéré. Ah, la DAV. Du calme, ne tirez pas, il est à moi. What? Il est chaud lui. Et par contre je crée des meufs. Marin là oui. On n'a pas de boost nous là sur les épaules. De jetpack. Tracteur dorsal. On peut trouver plein de synonymes. Ah bah où la fois les tours hein. Moi je vois des robots là. Faut défendre, ok. Non mais y'en a gavé là. Je crois qu'il faut rentrer. Hein. C'est bien. T'as changé au point d'avoir oublié ce que c'est que d'avoir des sentiments. Ok, changement de plan.
Hendrix, ton équipe escorte le ministre vers l'exfiltration. Nous, on retourne chercher les otages. Encore des robots. T'en fais pas pour ça, on est conçus pour s'en occuper. Allez, tire-toi d'ici. Moi, je vais me pousser carrément. Vas-y, monte. Monte Hendrix. Monte Hendrix. Je sais pas. Pour vous, vous pensez que ça s'appelle comment, Hendrix ou Hendrix? Je sais pas. Faire un débat comme ça dans les commentaires si vous voulez. Ok, alors on monte dans le VBT. Okay. Oh. Une balle, c'est très très fort. Regardez. Je tire du coup par coup. Je vais en tirer une. On va pas en tirer qu'une en fait. On va vu, il a fait des motos. C'est mitraille, je crois qu'on peut pas s'arrêter. En fait tu restes comme ça, tu peux le dire. Oui. Oh, il y a des robots. Je crois que si on reste comme ça, on dit. Alors, on tue lui. Oh. Hendrix, on a pu sauver d'autres otages. Faites sortir le ministre là. On file au point de rendez-vous secondaire avec 4 cibles de plus. Bien reçu. On sort de la route. Drone d'exfiltration en vue. Merde, on arrive trop vite. Oh shit. On a fait un petit trou là. Voilà notre taxi. La première capsule d'exfiltration arrive. Accrochez-vous. Capsule détachée. Espace aérien non viable pour exfiltration. Le drone va faire un deuxième passage. Les renforts de la NRC arrivent par la gauche. Monsieur le ministre, est-ce que ça va? Vous pouvez bouger? Je vais bien. J'ai plus de balles sur la coude. J'ai peut-être une technique, genre fais exploser ça, tout en tue les gens. On tue les gens qui sont ici. Le drone concentre ses tirs sur des cibles multiples. On en finit, les gars. Donnez-moi, on va y arriver. On va faire ça et on va se cacher derrière. T'as juste tiré comme ça pour que le jeu croie. Enfin croit. Oula. Je crois pas que ça c'était normal. Donc là c'est un robot, je crois qu'on peut en faire. Aïe, il nous a arraché le bras. Il nous a arraché le bras. Je crois qu'on va mourir. C'est vraiment hardcore. Oh. Il nous a arraché tous nos membres. Écran noir, suspense. Ah, ils sont terminés. Bon bah voilà les gens, j'espère que ce premier épisode du Let's Play sur Call of Duty Black Ops 3 vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre un petit commentaire de ce que vous pensez de ce format de vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!